Christian, c'est ça, on se retrouve pour Terreur Déferlante. Là, ça ne déconne plus, c'est vraiment des maps absolument incroyables. À 500 000 de bonus, c'est vraiment un truc de barge. Non mais regardez-moi ça, 500 000 or, 500 000 élixirs. Donc, je vais vous montrer deux façons de faire cette map. Personnellement, celle qui me plaît le plus est la deuxième façon, qui est vers les 3 minutes, si jamais vous avez envie d'aller vers cette façon. Donc la première, c'est avec des géants, des archers, et comme d'habitude. Mais l'autre technique consiste en fait à détruire le haut du village qui a des tours de sorciers et des mortiers avec des archers et des barbares. Et ensuite, vu qu'il n'y aura plus que des canons, à part ces trois défenses-là, vu que vous les aurez détruites, vous pourrez envoyer la masse, donc tout le reste de vos barbares et de vos archers. Et les canons et autres ne pourront absolument rien faire contre vous. Et donc, c'est à la troisième minute, donc je parle pas trop de ça. Je parle plutôt de ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc on a envoyé des géants pour détruire les Tesla et permettre aux archers de casser les murs. Ensuite, on envoie deux géants pour enlever la bombe géante. On envoie deux géants pour détruire les deux tours de sorciers. Si jamais vous réussissez bien votre coup, normalement, les deux tours de sorciers devraient être détruites. Bon, moi, j'ai juste eu à mettre un archer en plus. Alors, faites très attention. Il faut que les deux se cassent en même temps, parce que sinon, voilà ce qui se passe. C'est que y en a qui, les archers qui tiraient sur les murs d'à côté vont venir là où le mur a été cassé en premier. Et donc ensuite vous envoyez donc vraiment la masse, le plus gros nombre possible d'archers et de barbares pour détruire les deux anti-rennes. Voilà, donc ça c'est fait. Et depuis une très récente mise à jour, ils ont quand même rajouté vraiment énormément de Tesla. Et là en fait, moi j'aurais vraiment conseillé d'amener beaucoup plus de ballons. Mais bon, voilà, je me suis démerdé. J'ai dû y aller vraiment en bourrinant, mais j'ai réussi quand même. Cela dit, je vous conseille donc de ramener vraiment beaucoup de ballons, donc 8 ballons voire 10. Comme ça, vous êtes vraiment sûr. Et vous pouvez les envoyer en masse, c'est pas un problème. Après, le problème, regardez, c'est les petites bombes aériennes qui vont détruire vos serviteurs. Mais si jamais vous ne prenez que des ballons, il n'y aura pas de souci. Et un petit sort de rage peut être vraiment très efficace pour vous permettre de passer. Sachant que à ce niveau-là, vous pouvez vraiment vous permettre d'utiliser de grosses troupes. Parce que voilà, vous gagnez 500 000, donc c'est vraiment très rentable. Et donc là, je me suis dit, bon, je vais utiliser les rois, le roi et la reine. Parce que c'est la première fois que je fais cette map sur ce compte-là. Et donc ça va faire un bonus de 500 000. Et je voulais vraiment vous montrer la bataille avec les 500 000 en fond. C'était important. Et puis bon, vous pouvez utiliser vos héros si vous les avez. De toute façon, je vais vous dire, n'allez pas me crier dessus ou j'en sais rien. Oh, mais tu utilises tes héros, mais nous, comment on va faire? Je vais juste vous dire que si jamais vous n'avez pas de troupes presque niveau max, ces maps-là vont être difficiles. Hein. Vont être vraiment très difficiles. Donc, pour les maps que je suis en train de vous montrer, ballon niveau 5, ça passe pas vraiment. Enfin bon, avec la technique que je voulais vous montrer, ça peut largement passer avec des archers et des barbares niveau 4 si vous avez un max de sorts de soins et de sorts de rage. Donc vous envoyez un sort de soins au milieu entre toutes ces tours de sorciers et de mortiers. Vous envoyez un max de barbares et d'archers par derrière. Une fois que vous avez détruit les deux tours de sorciers, vous envoyez un max de barbares et d'archers pour détruire le mortier. Puis après, vous envoyez absolument tout. Vous défoncez le village, c'est regardez là, j'ai utilisé les 4 doigts, 4 archers, j'ai même envoyé des cadrés, j'ai tout envoyé, j'ai vraiment envoyé tout. J'ai envoyé un sort de rage pour que ça puisse regarder. Non mais là, les canons ils ne peuvent rien faire. Là, bon, je vais dire franchement, c'est plus facile cette technique là. Elle utilise plus de troupes, plus de sorts, non, même pas. Elle coûte même moins cher. Donc au final, je vous conseille quand même cette technique, mais je voulais quand même vous montrer l'autre. Préfère, enfin voilà. Donc c'était la 46e map, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine map. Allez, à toutes les gens.